Ok, on va se mettre ici comme ça, je suis en vie. Ma tourelle va s'occuper de lui. C'est pas bien grave, ça c'est plutôt cool la tourelle parce que ça permet de me mettre à l'abri tout en posant un dispositif qui attaque le tour d'après, donc ça c'est plutôt cool. C'est moi, Wonder Tweak. Et qu'est-ce qu'on a là? Attends frérot, lâche pas le morceau. T'es pas mort, t'es pas mort. Vas-y régale. Voilà, 300 de vie, c'est plutôt cool. C'est à lui d'attaquer encore et encore, cette technique horrible. De nouveau, pour que ça marche, il faut que toute l'équipe reste en vie. Quoi? Que ça marche? C'est bon, il est mort là. Il est totalement mort. Allez, c'est terminé. GG les gars, GG. Ils ont battu le roi. Retraite. Ah merde, le roi a été battu. Merde. Bonjour, me voyez? Apparemment, Tweak et Craig ont accepté de suivre une thérapie ensemble, me voyez? Tu peux nous retrouver à l'école, merci. Hein? Il y a une quête qui vient par-dessus, mais qu'est-ce que c'est? C'était la quête de la thérapie où il devait aller voir le psy, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas passer, il y a de la lave partout! On n'a pas de temps pour ces conneries! Oh mon dieu, comment a-t-il fait ça? Sans blague, comme si les règles ne comptaient plus! La vache, vous avez vu ça? Oh, les enfants, je crois qu'Eric est là-haut dans sa chambre. Les gars, je viens de voyager dans le temps pour vous retrouver. Un chat a disparu. Grosse récompense. Minute, pourquoi vous jouez déjà au super-héros? On sait ce que tu manigances, gros tas. Mysterion? Mais tu es avec les potes de la liberté. Nous sommes tous des potes de la liberté. On vient du futur, grosse bouse. Non, c'est moi qui viens du futur. Je revenais justement de l'époque du bâton de la vérité pour vous chercher. On ne joue plus là, on sait tout. Montre-nous ta main gauche. Ma main gauche? Mais pourquoi? Montre-nous ta putain de main gauche. Ah. Bonjour les potes de la liberté. Le voyage temporel, c'est vicieux comme truc. Connor! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais élaboré un plan où le nouveau m'aidait à parvenir à mes fins. Mais il semble que de bons samaritains aient voyagé dans le temps pour faire avorter mon plan. Cartman, je te jure que si tu cesses pas ton petit jeu... Mais c'est sans importance, car je sais quelque chose que vous ignorez tous. C'est quoi ça? Comment faire péter quelqu'un méga fort en lui frappant dans le plexus? Ya! Connor, non! Non. Remontez le temps, Un tunnel temporel, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est cool. Oh, qu'ils sont lourds. Putain, hey, c'est tellement long, les gars, cette fin. Incroyable. On est sur une heure de jeu, là. Où sommes-nous, Connor? Nous sommes au temps de la naissance d'un super-héros. Tu reconnais cet endroit, le nouveau? Un enfant ne trouvant pas le sommeil la nuit. Pourquoi nous avoir amenés ici? Tu ne comprends pas? C'est la fameuse nuit, le nouveau. La nuit tragique où ton père a baisé ta mère. Tu t'approches du miroir. Ne fais pas ça! Ouvre les yeux, Kuhn! C'est ce qu'il a toujours voulu, rétablir les choses. Tu as entendu ta mère appeler à l'aide, alors tu as quitté ta chambre. N'y va pas, le nouveau! Tu peux pas changer le passé! Bien sûr que si! Va voir! Ok. On est de retour, les gars. Retrouve-toi, découvre tes véritables origines. Ouais! Tu ne saisis pas, le nouveau! Je t'ai donné une chance! Alors que vas-tu faire? Combattre les méchants encore une fois? Ou te combattre toi-même, plus jeune, pour ne jamais découvrir ce qui se passe derrière la porte de tes parents? Comment ça les méchants? Eh mec, on est que des followers nous! Quoi? Bah ouais, c'est toi le gamin qui a 1 billion de followers, pas vrai? On s'est dit que si jamais tu nous ajoutais, on pourrait peut-être se faire des potes. Parce que on n'a pas tellement de followers, t'as vu? Tu veux bien nous ajouter? Ah bon sang de bon sang! Ça y est, notre moment est arrivé. Waouh. Ok. J'en reviens pas. Youpi. Bah voilà, nouveaux followers, j'ai 3 d'un coup. On a réussi les mecs. Je suis trop heureux. Ok. Il est temps d'aller découvrir. Oh, coucou toi, tout va bien? Retourne te coucher mon poussin. Papa et maman ont des choses à faire, ok? T'as réussi. T'as bloqué ton père, t'as sauvé ta mère le nouveau. Haha, c'est vrai. Et maintenant, plus personne ne peut m'arrêter. Je pars vers une autre époque. Connor, non! T'es qui, toi, bordel? Je suis le Kuhn. Voici votre fils venu du futur. Notre enfant du futur? Bon sang, je savais qu'un truc comme ça arriverait. Notre enfant sait qu'on a menti et veut des réponses. Tu as raison. Nous n'avons pas été francs. Mais c'était parce que nous voulions te protéger. En fait, ta maman et moi, nous avons des capacités, des pouvoirs que n'ont pas les humains normaux. J'ai découvert le mien quand j'étais jeune. Un jour, j'ai créé un profil Facebook et en quelques heures,
J'ai eu plus de 3 millions de followers. Mes pouvoirs sont du même genre, mais ils ne fonctionnent que sur Instagram. Dès que j'ai posté ma première photo, j'ai eu 4 millions de followers. Naturellement, des pouvoirs de ce genre ne passent pas longtemps inaperçus. Peu après, ta mère et moi avons été enlevés par les autorités. Des chercheurs ont fait des expériences sur nous pendant des mois pour essayer de savoir pourquoi on avait aussi rapidement autant de followers. C'est là que j'ai connu ton père et que nous sommes tombés amoureux, dans un sinistre labo gouvernemental. Oui. Le jour, il faisait des expériences et la nuit, on faisait l'amour. En associant les pouvoirs de ta mère aux miens, tu as eu plus de 10 millions de followers dès ta naissance. Le temps qu'on coupe le cordon ombilical, tu avais déjà dépassé tous les Kardashians réunis. C'est pour ça qu'on a dû s'enfuir. Car on savait que le gouvernement allait se servir de toi pour faire des choses horribles. Depuis, on déménage de ville en ville pour leur échapper. Mais partout où on va, tu continues à accumuler les followers. Parfois, ils entrent chez nous par effraction et utilisent nos toilettes juste pour être plus proches de toi. C'est pour ça qu'on mettait un médicament spécial dans ta nourriture, mon poussin, pour diminuer tes pouvoirs. Mais ça n'a pas marché. Les effets secondaires t'ont donné des pets vraiment puissants et particulièrement odorants. Ah, d'accord. On est désolé, Trésor. Oh mon Dieu, je suis tellement soulagé d'avoir enfin avoué la vérité. Moi aussi. J'ai l'impression que je ne vais plus être obligée de boire. Et moi, je serai plus obligée de fuir mes problèmes en me baffrant de Space Cakes. Oh ma chérie, j'ai la sensation que tout va changer. Je crois en nous. Oh mon Dieu. Et toi, mon poussin? Maintenant que tu connais la vérité, est-ce que tu penses pouvoir croire en toi aussi? Ok. Maintenant que je connais la vérité, on va parcourir le temps. Et cette fois-ci, on retourne dans le présent. Et on va arrêter ça très vite. Ah, désolé, les gars. Désolé, j'ai totalement coupé l'instant. Regarde, on est rentré à South Park, en plein centre-ville. Mais ils sont passés où tous? Et surtout, en quelle année on est tombé? Allez, c'est parti! Regarde, mec! Aujourd'hui est un grand jour pour South Park. Longtemps, cette ville craignait, mais Mitch Connor va enfin être investi maire! J'ai l'honneur de vous présenter Mitch Connor. Un mec qui a des couilles grosses comme ça et qui va tout changer! T'as réussi, ton duc! C'est le jour de l'inauguration! On peut encore empêcher Connor de devenir maire! Allez, on y va! Ok, les gars, on est reparti! Ok, bon. Les gars, j'ai l'impression que ce jeu est juste infini. Il est totalement infini. Ah, c'est pas grave, le dernier épisode, il fera une heure, c'est pour le plaisir, on kiffe. Y'a aucun souci. Allez, on peut encore arrêter cet enfoiré! Il est là! Oh les gars, vous êtes en vie? Merci mon Dieu! Mitch Connor est sur le point d'être investi! Venez, il faut empêcher ça! Tu vas nulle part, sac à merde! Tu vas enfin admettre que c'est toi qui es derrière tout ça! Je ne suis pas du côté de Mitch Connor, les mecs! Arrête, gros lard! Mitch Connor, c'est toi! Admets-le, Cartman! Tu as tort, Kyle! Admets-le! Non, Kyle, je n'ai aucune emprise sur Mitch Connor! C'est toi, Mitch Connor! T'as toujours été Mitch Connor et tu ferais mieux d'arrêter ça tout de suite! Alors comment expliques-tu ça, Kyle? Tiens, 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 le mystère s'épaissit. C'est pas drôle, Kyle. C'est pas moi qui fais ça. Va te faire foutre! Qu'est-ce qui se passe-t-il, Coon? Les rôles sont renversés. Kyle, arrête, je te dis! Pourquoi tu t'énerves contre lui? Parce que c'est lui qui fait tout ça, voilà pourquoi! J'ai rien fait du tout, mec! C'est ta foutue main, enfoiré! Fais pas ton troll! Et en quoi fait-il son troll, Coon? Parce qu'il essaie de me donner une leçon en matière de supercherie! Attends, alors t'avoues que c'est toi qui jouais les imposteurs tout à l'heure? Vous voyez? Il fait son troll pour me faire avouer que je vous trollais, les gars! Voilà ce que j'attendais! Le Coon et sa bande se prenant le bec! Mec, sérieux, c'est toi qui fais ça? Ça se pourrait! Ça veut dire que Cartman faisait pareil auparavant! Alors, tu avoues, Cartman? Vous voyez? C'est la preuve! Vous voyez ce qu'il fait? Hein? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est marrant comme un soupçon de méfiance peut déchirer une équipe. Alors, les potes de la liberté, vous attaquez qui? Moi ou le Coon? Ok, c'est quoi ce bordel? Arrête, Kyle! Franchement, c'est pas drôle, putain! Mais c'est pas moi, mec! Va chier! Qu'est-ce qu'il y a, Coon? T'es pas content de me voir?
Pas chier, Kyle. Ok, oh, donc Kyle toute s'attaque. Cette affaire lève perplexe Kuhn mon cerveau gigantesque. Nouvelle règle, tous les dégâts que je subis vont au Kuhn. Quoi? Ouh, putain! Oh, les effets d'état aussi. Quoi, mais oh bordel! Mitch, arrête, c'est cruel. Je peux pas, homme cerf-volant, ce sont les règles. Espèce d'enfoiré! Oh, je suis en l'air. Ok. Wow. Là, je comprends plus rien. On prendra soin de ton tour. À toi, trop ok, dur. Je comprends ce plus rien. Qui, le Kuhn ou moi? Ah mais là, je suis obligé d'attaquer Kuhn en fait. Ouais, mais j'ai pas le choix, c'est pas grave. C'est pas grave, les deux prennent. Ah, c'est le jeu de l'homme cerf-volant. Aïe, c'est compliqué cette histoire. Ça rebondit sur moi et ça tombe sur le Kuhn. Ah, Kyle, c'est super bizarre. Alors, tu vas attaquer qui, pote de la liberté? Ah, la pression est trop forte. Désolé. Bah, je vais attaquer les deux, tout simplement, les mecs. Hein. Je vais attaquer les deux. Bon, c'est pas grave, tout. Kuhn tombera. Mal, okay. Mais il sera peut-être immunisé comme ça. Dans ta face, Kuhn. Bordel, c'est n'importe quoi. Putain, il se fait dis-toi, régénérer. Pote de la liberté, lequel de nous est le vrai vilain? Ça me ferait plaisir de cogner n'importe lequel d'entre vous, enfoiré. Ok. Oh. Alors, content? Ouais, il va renvoyer ça sur Kuhn. Tu voulais frapper le Kuhn? C'est arrangé. Kyle, espèce d'enfoiré! À toi, tu vas te battre contre qui, pote de la liberté? C'est compliqué. On va faire ça. Bien joué, pote de la liberté. Ah mais là, ça va retomber sur lui en fait. Là, il s'est tué. Tu te fais du mal. Là, je vois pas comment on peut venir à bout du gars. Ça me paraît bien compliqué cette histoire. Je crois que tu voulais frapper le Kuhn. C'est super bizarre! Ah, oh, putain, les mecs! Bordel, c'est pas juste! Eh ben. Ça alors, content de te revoir, Mitch d'un autre univers! Ah, oh, putain de merde! Ok. Mitch, non! Oh! Quoi? Tu crains vraiment? J'étais ici! Je n'ai rien compris. Donc c'est un ennemi. Et Mitch, cette fois-ci, avec moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faudra faire ça pour m'éliminer, les potes de la liberté. Raté. J'étais ici tout le temps. Ok, donc je l'ai manqué. Ça veut dire qu'il va régène normalement. Ah, d'accord, ok, c'est Kyle qui prend. Cartman, t'es vraiment un sale enfoiré, arrête. Oh là 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 là, les histoires. Les histoires, putain, tu peux voir, il prend pas en fait tout ce qui est saignement. C'est Seigneur, il y a deux Mitch de trop. Ok. Et si je m'attaque à lui, qu'est-ce qui se passe? Si je m'attaque à lui, je m'attaque à l'autre. Toujours l'un contre l'autre. Ah! Arrête ou je pète ta putain de main. Non, cette fois-ci il l'a pas dit. Ok, cette fois-ci il l'a pas dit. Oh, ça marche. Avec repoussement, c'est pas mal. Conduite de tir en ligne. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool, on en met un KO. Tu es plein de surprises, Tupperware. Peut-être aussi de... Tu crois que tu peux te pointer ici et faire tes propres règles, imposteur? D'accord, pas de déflexion de dégâts. Tu vas bientôt arrêter ça, Kyle. Ah, oh, baisse ta main. On ne peut pas battre le vrai Mitch Connor. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Allons-y, faussaire. Ok. Toujours pas compris. Arrête cette mascarade, homme. On va y arriver. C'est pas une mascarade, c'est un Kuhn, Mitch. Ok, on va faire ce coup-là. Ça me paraît être le plus cool. Ça te fera une belle cicatrice. J'étais pas prêt quand t'as attaqué, alors j'ai pas pris de dégâts. Et tu saignes en plus. Ça compte pas. Ah d'accord. D'accord. Je crois que je suis prêt. Ok. On va faire ça, comme ça il attaque pas. Enfin, tout le monde a saignement là, les gars, c'est le bordel. Hein. C'est totalement c'est le bordel. Faire ça. Je comprends pas trop pour l'instant. Hop, ça dégage. Allez, chier, les mecs, terminé. Cette... Il va falloir vous donner un peu plus, les potes de la liberté. Oh, ça devient vraiment débile. Je suis d'accord.
Le seul moyen d'en finir, c'est de les battre tous les deux. Et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Hein? Quoi? Une minute, là. Ok, pas de triche, ça joue. Ah, mais attendez... Je sens bien ce coup-là, les mecs. Oh, doucement, 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 on revient très vite dans le temps. Parce que là, il m'a juste découpé. Anomalie temporelle détectée. Okay. Protéger l'innocent, appliquer la loi. Ok. Je suis pas bien. Je suis pas bien si je fais ça et que je le donne au frérot. Super-héros. Vas-y mon pote. Relève-toi, c'est rien. Aïe aïe aïe. Un vent mauvais souffle. Ah, ok. Vent, Mysterion est mort, ça c'est plutôt cool. Maintenant qu'il est en esprit, je vais pouvoir faire son ult. On va faire ça. Ça, ça dégage. Mysterion, on compte sur toi, fais pas le con. Hein. La tempête approche. Ouais. On va faire ça. Pareil, cool. Il faut que Mysterion attaque, sinon c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Ok. Putain, arrête de faire autant d'efforts. Tant mieux, comme ça Mysterion il va avoir beaucoup plus d'impact. Tiens, on va faire quoi? On va faire ça. Ouais, on va faire ça, de toute façon je crois qu'il est full life. Mais non, mais pas ici. Mais connard. Oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est une longue histoire. Ok les gars. Là je vais me décaler juste ici. On est parti pour l'ulti avec une résurrection. Heureusement que j'ai découvert cette ulti, les amis. Heureusement. C'est terrible. Arrête, ok, j'ai récupéré. Je fais rien du tout, mec. C'est Mitch. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Normalement, on va pouvoir s'en occuper de ces deux-là. Ça me gêne pas trop. Déjà un mort. Non! Voilà, ça c'est fait. Il reste le clown. T'es même pas assez bon pour être un faux moi. Cartman, c'est ta faute. Une tempête approche. Ok. Comme ça, il jouera pas normalement. Oh, allez, ça c'est fait. Une vraie force de la nature. Normalement, il peut pas jouer. Voilà. Le bon coup. Ah quoi? Ah non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette condition? Parce que bah pas grand chose, pas grand chose. Pas grand chose et mon attaque aussi. On passe à autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On va faire ça, ça me paraît sympa. Il va prendre les dégâts de repoussement en plus. Un usage approprié de la force. Allez, c'est terminé normalement. C'est totalement terminé. Allez les deux Mitch. Bon putain les gars what the fuck le game quoi. C'est terrible. Oh mec, ça suffit putain. Lâche l'affaire Kyle. Lâche l'affaire toi-même Grolard. Dis-leur que tu te foutais de moi. Sinon ils vont continuer à nous tabasser tous les deux. Ouais Kyle, si tu te foutais de nous il faut le dire. Tu ne fais que compliquer la situation. Si je me foutais de vous, alors lui aussi. Bon. Ok. Ok, j'admettrai que je me foutais de vous, mais uniquement si Kyle l'admet en premier. Je dis que dalle, tant qu'il ne l'aura pas dit en premier. Bon, d'accord. On va le dire tous les deux, en même temps, ok? À trois, on dit tous les deux, je me foutais de toi. Ça marche? Ça marche. Bon, ok. Un, deux, trois. Je me foutais de toi. Ha ha, je t'ai eu. Ah, espèce de connard. Et cela fait trop longtemps que notre ville est dirigée par cette... connasse de mère qui n'a jamais lutté contre le crime. Et maintenant, Mitch Connor, on va... ça va, assez parlé. Non mais moi, mère, maintenant. C'est Mitch Connor. Allez, vite, faut que je prenne serment. Très bien. Passons à l'investiture, monsieur Connor. Voulez-vous bien lever la main droite? Je jure solennellement... Je jure solennellement. Attendez, attendez, arrêtez! Non! Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe ici? Terminez la cérémonie! Écoutez bien tous! C'est juste un plan pour qu'il y ait plus de délits en ville, pour que la franchise du Coon et sa bande soit plus importante que celle des potes de la liberté! On a mis de l'urine de chat dans votre drogue et votre alcool pour que la criminalité augmente et que le Coon ait plus de délits à combattre! Tout ça, c'est à cause de cet enfoiré! Mitch Connor chevauche un gros raton laveur? Non, vous ne comprenez pas, c'est lui qui a tout fait! Vas-y, le nouveau, montre-leur le selfie que tu as fait. Ok. Ah, bah bien, c'était lui. Maintenant, envoie-le-moi. Je vais le mettre sur l'Instagram de Connor pour que tout le monde le voit. D'accord. On l'envoie. Quoi? Regardez, le plan de Mitch Connor. Eh, hey, ils ont raison. Ils mettaient du poison dans notre vin et notre cocaïne. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le nouveau n'est pas le seul dont un parent s'est fait baiser. Mon père s'est fait baiser quand j'avais 9 ans. Quoi? Seules deux personnes sur cette estrade savent ce qu'on ressent. Arrête ton char! Chut, je veux savoir. Je veux venger mon père, même si ça revient à tuer toute la planète. Mitch! Mitch, c'est fini. Non? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai toujours été là, mon fils. Ce n'est pas ta faute, Mitch. C'est la mienne. Quoi? Que veux-tu dire? C'était moi, Mitch. C'est moi qui ai baisé ton père. Oh! Quoi? C'est toi qui as baisé mon père, non? Mais pourquoi? Je l'ai fait pour nous, mon fils. Je voulais que tu aies un avenir. Toutes ces années à rechercher la personne qui a baisé mon père, et c'était ma propre mère. Mitch, essaie de garder ton calme. Ta gueule, Cool! T'es peut-être cool, mais même toi, tu peux rien faire. Il t'a regardé, non? Hein? Est-ce que papa t'a regardé quand tu l'as pénétré par surprise? Mitch, c'était il y a si longtemps. Pas pour moi. Je dois vivre avec tous les jours. Pardonne-lui, Mitch. Pitié, ne me dites pas que vous avalez ces conneries. Je vais te tuer pour ce que tu as fait. Alors dis-moi, Mitch, je t'en prie. Toi, dis-moi, je veux pas vivre. Je te tue, tu me dis. Non, je te tue, Eh ben, heureusement qu'on n'a pas ce type pour mère. Allez tout le monde, allons acheter de la drogue et de l'alcool pas coupé dans la ville voisine. Quoi? Ah, vous finissez comme ça, genre en mode putain? Ah, y'a rien de plus brut, les gars, pour un générique de fin. J'espère que ce let's play vous a plu, les amis. C'est la fin de ce South Park, l'anal du destin. Regardez, on voit encore sur les bords le fond du jeu. En fait, c'est une sorte de vidéo qui vient se greffer de générique de fin par-dessus. On dirait un troll, on dirait presque un troll, les gars. Bref, j'espère que cette aventure vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Je sais bien qu'elle était un peu longue, c'était un style un petit peu RPG. Ça change de tout ce qui est aventure horrifique ou alors aventure exotique ou autre. Mais ça va, c'était quand même sympa. Mais j'ai eu tellement de bugs, les amis, tellement de bugs sur les 3 derniers épisodes. Ça m'a rendu vraiment fou, hein. Je vais pas vous mentir, ça m'a rendu fou. C'était, j'ai cru que j'allais jamais en terminer. Et c'est pour ça que peut-être que je paraissais un peu blasé sur les derniers épisodes, mais j'ai eu trop de soucis. J'ai eu beaucoup trop de soucis. C'est un jeu Ubisoft et Ubisoft, c'est beaucoup de bugs la plupart du temps. Beaucoup moins dans les Far Cry et compagnie. Mais alors là, dans ce South Park, j'ai eu dès le début du jeu une tripotée de bugs. Quand j'ouvrais le coffre, ça frisait, etc., etc. C'était assez compliqué. Bref, il nous a fallu 26-27 épisodes pour en finir, mais c'était franchement cool. Il y a eu des moments assez drôles et j'ai bien kiffé. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On va passer cette cinématique, voir si c'était un troll ou non. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Croyez-moi, ça va être dingue. C'est toi le lapin des chatouilles. Non, c'est toi le lapin des chatouilles. Oh, coucou mon trésor. Tu jouais avec tes amis, hein? C'est une chouette ville, pas vrai? Je suis bien ici. Je suis contente qu'on ait été franc à propos du passé de notre enfant à l'époque. Je me sens... je sais pas, comme si on avait échangé. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. En fait, tu veux bien nous excuser un moment? Papa et maman ont une petite affaire à régler en haut. Oh, coquin! Tu croyais vraiment pouvoir empêcher les ennuis de se produire?
Tu ne vois pas que le chaos te rattrape à chaque fois? Tu as essayé d'être un héros. Si tu laissais sortir ton côté obscur... Il n'y a qu'une vérité dans cette vie, le nouveau. Tu peux essayer tant que tu veux de changer le passé. Ton père aura toujours sauté ta mère. Et c'est la fin, voici cette fois-ci le vrai générique. A plus tout le monde, portez-vous bien, max de likes et de commentaires. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.